Salut à tous! Une vidéo, comme vous pouvez le voir, qui sera consacrée à la DF Linux Beta 2 qui doit sortir le 23 octobre 2016 et on est le 22. C'est bien de savoir utiliser un dépôt Git. Voilà. Comme d'habitude, tous les détails techniques, vous le trouverez dans un lien dans le descriptif, un lien dans l'article de blog. La DF Linux, c'est la seule suite officielle de l'AMD Linux. La seule! Comme disait Carl Zero à l'époque du vrai journal sur Canal+, méfiez-vous des contrefaçons. Bref. Donc, on va voir à quoi ressemble la version bêta 2 de la DF Linux, pardon. J'avais parlé de la pré-bêta 1 qui était déjà assez intéressante, donc on va voir ce que nous donne cette bêta 2. On est go. Donc, elle est basée sur la Debian 8.6, donc Jesse. Là, j'ai juste installé, je n'ai pas redémarré, donc ça va être vraiment l'installation, la post-install dès le départ. Voilà. Donc, c'est une installation toute fraîche. Pressement démarrer en post-install. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais passer en plein écran. Ça sera mieux. Voilà. Donc, normalement, l'IDM va se charger. Voilà. On se connecte. Donc, il y a la version DF Linux classique et la version Lite qui utilise OpenBox. La version classique utilise XFCE. Voilà, donc nous avons l'écran de démarrage. Ah, il y a déjà une mise à jour. Donc là, il y a un tout petit bug que j'ai rapporté, dont vous trouvez le lien dans l'article de blog et le descriptif. C'est une série de liens concernant le logiciel, les logiciels libres. C'est pas les logiciels. Donc c'est quand même assez pareil. Un petit écran d'accueil, blablabla, cahier des débutants, blablabla. Voilà. Donc, quelle mise à jour disponible? On va la faire. Je ne sais même pas ce que c'est cette mise à jour. Peut-être noyau. Bon. Il ne veut pas me faire la mise à jour. Donc, on va aller. Vous voyez, il y a toujours le bon vieil Andy Menu. Donc, on va aller dans le menu aventurier, ouvrir un terminal. Et on va faire sudo apt-get update. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin d'y accéder. Hein. C'est une fausse alerte aussi pour la mise à jour. Hein. Je ne sais pas. Et apt-get upgrade. Peut-être c'était une fausse alerte. Ah, c'est juste le landing menu qui est mis à jour. Donc, ok. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu mettre à jour, mais peu importe. Voilà, donc l'Andy Menu est à jour. Lisez-moi, c'est juste... voilà, merci de... Un petit lisez-moi classique. Donc, notre ami le Andy Menu est toujours là. Un peu plus léger qu'auparavant, je trouve. Peut-être parce qu'il a été réécrit. Voilà, donc les trucs classiques, la bureautique... Tout ce qu'il y a de plus classique de chez classique. Donc là, vous ne vous perdez pas. Si vous avez l'habitude d'utiliser l'AMD Linux, la DF sera pour vous aussi. Donc là, c'est bien sûr... Ouais. On peut aller sur le forum. Il y a des liens qui sont raccourcis. Si on veut mettre le thème AMD Linux, pourquoi pas? Si vous préférez le thème classique ancien, voilà, vous avez celui-là. Ou pour éviter de vous arracher la rétine, vous avez celui-là. Et vous retrouvez sous une AMD Linux tout ce qu'il y a de plus classique. Là, on retrouve. Par contre, je ne me rappelle plus si c'était directement dans la AMD d'origine. Je ne me souviens plus. Donc, on va voir pour les mises à jour maintenant, sinon tout vaut d'autres. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu mettre à mise à jour. Peut-être que j'avais mal saisi mon mot de passe. Alors, voyons. Bureautique, fichier, internet, récent. Donc, dans les paramètres, toujours la même chose. Hein. Le Andy Menu qu'on peut personnaliser à volonté. Donc, je vais supprimer. Voilà. Je vais simplement cliquer sur supprimer. Ça l'a supprimé.
Donc le menu se relance. Voyons. Internet. Bureautique, multimédia. Donc je suppose que c'est notre Quadlibet pour la lecture de musique. Bah, c'est l'icône de Quadlibet. Donc c'est Quadlibet. Donc bien sûr, il n'y a pas de musique, mais on va toujours rajouter des répertoires musique, même s'il n'y en a pas, peu importe. Voilà. Ouais, c'est une version un peu ancienne de Quadlibet. Je crois que la dernière version, c'est à 3.7.1. Bon, mais ça, c'est toujours le côté Debian, dans des logiciels qui sont parfois un peu anciens. Donc, on a les cahiers du débutant, la documentation, si vous préférez. Internet, on peut utiliser notre ami Firefox ESR, c'est-à-dire la version long terme. La 45 point quelque chose au moment où j'enregistre cette vidéo. Ah, c'est pas mal ça. Avec HTTPS Everywhere, le bloqueur de pub, Dev Linux qui utilise Start Page par défaut. Ça, c'est bien pensé. Très bien pensé. Ça permet comme ça à l'utilisateur de se retrouver, d'éviter de se retrouver avec des saloperies. Donc, c'est la version 45.4. Le bloqueur Microblock ou uBlock Origin, c'est comme on veut. Donc là, dossier personnel, ça renvoie directement à notre ami Thunard. Donc, je vais voir. Je vais essayer de faire fonctionner mon imprimante HP que j'achetais récemment. Mon imprimante Epson est rendue l'âme. C'est sur ce qui arrive. Alors, nous avons dit bureautique. Non, il n'y a pas HP Lib, donc on va le rajouter. Voilà. Donc on va chercher HP Lib. En espérant que le HP Lib fourni soit suffisamment récent. Je crains qu'il ne soit trop vieux. Ah bien, HP Lib est déjà fourni. Bon, autant pour moi. Je ne l'avais pas trouvé. On va voir si le HP Lib est suffisamment récent pour mon imprimante ou pas. Donc bureautique. Aide bureautique. Bon, ça renvoie directement vers le wiki de Debian Facile. Donc là, si vous attendez, c'est bien. Sinon, tant pis, dommage pour vous. Non, mais sinon, elle est vraiment très rapide parce que vous pouvez voir, c'est une facilité d'emploi. Vraiment, si on débute, c'est vraiment pratique. Vraiment très pratique. Alors, voyons. Accessoires, c'est pas ça que je voulais. C'est paramètres. Configurer les imprimantes. Lancer. Donc, je vais brancher mon imprimante. Voilà, ajouter. Bon, bien sûr, il n'y a pas de pilote. Dommage, mon imprimante est trop jeune. Donc peut-être avec HP Lib. Donc on va dans Aventurier peut-être. On est sur les applications. Voilà. Donc on va regarder HP Lib. Ah non, il n'est pas installé apparemment HP Lib. Ben, on va le rajouter. Je pensais qu'il était installé. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Faisons un caca nerveux. Voilà. Donc, on va rechercher. C'était l'imprimante HP Lib. Je croyais pourtant l'avoir installée. Ah, bien qu'il manque ce qu'on appelle l'interface graphique. Donc, je vais la rajouter. Peut-être que ce serait bien qu'il le rajoute dans. J'ouvrirai un rapport de bug pour qu'il le rajoute dans le logiciel par défaut. Ce serait plus pratique pour les personnes qui ont une imprimante HP.
Je ne sais pas par contre si cette version d'HP Libre sera suffisamment récente pour reconnaître ma version, enfin mon imprimante. À moins qu'HP Libre soit prévu pour la version finale, parce qu'une version bêta 2 après tout. Mais pour une version bêta 2, c'est très 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 utilisable, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc maintenant on va aller dans les applications. Voilà, HP Lib Toolbox, lancer. Donc on va rajouter une, voilà, une imprimante. Non, apparemment, ce HP Lip est trop ancien pour mon imprimante. Dommage. Bon, sinon, vous pouvez toujours ajouter HP Lip. C'est dommage que ma imprimante soit trop jeune pour la version fournie avec Deep Linux. Bon, mais la faute n'a pas de chance. C'est tout. La faute n'a pas de chance. Donc, on a service libre Framasoft. Toujours que ce soit Framagit, Framasphere. Donc l'ensemble, Framacalc. Vous avez l'ensemble des outils Framasoft. C'est vrai que, mis à part le bug au démarrage avec le petite coquille et le HP Libre qui est un bien trop vieux pour mon imprimante, ça c'est la faute vraiment pas de chance. Je n'ai vraiment pas à m'en plaindre de cet Andy Linux. Enfin de cette, pardon, cet Andy Menu parce que mais cette DF Linux est vraiment excellente. C'est vraiment très utilisable. Bon. Bien sûr, alors on se retrouve avec un vieux LibreOffice. Ça, c'est le côté défaut de la Debian GNU Linux. Ça reste utilisable cependant. Hein. Mais c'est dommage de se retrouver avec une version un peu ancienne. C'est tout ça le problème. Donc pour le son, hop ça, on peut l'augmenter ou le baisser. Mais comme vous pouvez le constater, c'est très rapide. Je vais ouvrir Thunar, boum, c'est ouvert. Le message de bienvenue. Voilà, avec la belle coquille. Voilà, donc, bien sûr, ce n'est pas terminé. On a toujours le bon vieux je débute ici, je clique. Avec les cahiers des débutants, qui explique tout. Et vous avez quand même plus de 280 pages pour tout vous lire, enfin, pour vraiment vous initier. Donc vous avez vraiment de la documentation. On ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de documentation dans cette distribution, loin de là. Voilà, donc c'est vraiment très agréable, comme vous pouvez le constater. Si on a envie de changer le thème, bien sûr, il y a le lien directement vers le forum. À propos de ma Debian, qui permet de savoir que c'est la version 8.6, voilà, l'annonce. Voilà, donc vous avez toutes les informations pratiques, au cas où. Donc là, moi, je n'ai pas à m'en plaindre, c'est vraiment un très bon produit. Bon, je vais pas non plus parler pendant 8 jours, parce que, mais vous avez vu quand même, là, j'ai un peu survolé l'ensemble, bien sûr, mais au moins vous voyez que l'ensemble est très utilisable, que bon, toi, t'as pas de chance, mon imprimante est trop jeune, sinon je l'aurais fait reconnaître. Mais sinon, c'est très, très, très utilisable. C'est un véritable plaisir à l'utilisation, il n'y a pas autre mot. Donc pour les personnes qui considéraient que la Andy Linux allait être massacrée et mise à mort par l'arrivée de la Debian Linux, Debian Facile Linux, je n'ai qu'une chose à leur dire, fermez vos clapets. Enfin, fermez vos grandes bouches. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!